Eh bien bonjour. Bonjour à tous en ce beau dimanche de 1er mai. Est-ce que ça va? Ça va bien en forme parce qu'il n'y avait pas de bus aujourd'hui. Hein. Voilà, on est tous heureux de nous retrouver encore une fois ce dimanche de 1er mai pour louer, pour adorer notre Seigneur, pour lui donner toute la gloire. Alléluia. Offrons au Seigneur ce matin toute la reconnaissance qui lui est due. Amen. Pouvez-vous lever, taper des mains, taper des pieds, comme vous voulez. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de nous, son amour dure à jamais, chantons, louons, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Oui, il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Oui, chantons, louons. Chantons, louons. À jamais. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, oui, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais, l'amour de Dieu. Chantons, oui, louons. Oui, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. Oui, à jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, oui, à jamais, oui, à jamais Dieu est fidèle, oui, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, oui, à jamais, à jamais, à jamais, alléluia, à jamais Dieu est fidèle. Dieu est avec nous. Quelle grâce de savoir que Dieu est avec nous. Oui, les bontés de notre Seigneur se renouvellent chaque matin. Ce ne sont jamais les mêmes. Les bontés de Dieu se renouvellent pour nos vies. Que la gloire lui revienne. Seigneur,
louer Dieu pour sa grandeur. Oui, louer Dieu pour sa grandeur, louer son amour. Oui, louer dans son sanctuaire, louer pour toujours. Oui, célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs. Danser dans sa puissance et lancer vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, non. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux. Est-ce qu'on le loue dans le ciel? Louez sa fidélité, louez à jamais. Oui, chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. On va reprendre. Louez-le dans son saint lieu, oui. Louez-le dans son saint lieu, louez dans les cieux. Louez sa fidélité, louez à jamais. Oui, chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Oui, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, non. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Seigneur, n'ont pas de fin. Oui, Seigneur, ce soir, ce matin, Seigneur, nous voulons te dire à toi toute la gloire. Nous voulons, Seigneur, te dire combien nous sommes te reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as fait. Et Seigneur, ce matin, tes enfants sont là pour louer ton nom, pour adorer Jésus-Christ, le parfait, le juste. Oh, Seigneur, à toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Ensemble, louez l'Éternel, ensemble, élevez vos voix, dites combien vous êtes reconnaissants de ce qu'il a fait pour vous, parce qu'il est là présent par son esprit. Oh, quelle grâce de pouvoir le louer ensemble, encore ce matin. Oh, Jésus, bénissez, bénissez l'Éternel. Oh, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Nous voulons te couronner de gloire, Jésus. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Pour te magnifier, pour t'exalter par toi. Nous n'avons pas fourni à ça, ici notre bouche, pour exprimer notre reconnaissance à toi. Que béni pour t'exalter par toi, que sans ton nom nous sommes bénis. Au temps de ta reconnaissance, nous voulons te dire. Voilà la reconnaissance. Seigneur, nous te réunions des enfants parce que tu nous as invités. Pour te chanter, 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 Jésus. Je crois que tu as un peu de meilleur. Jésus, sois béni. Nous
te couronnons. Amen. Place dans nos vies, Seigneur. Tu es roi. Goliado, soma mama baliado, Jésus. Kedo kedia santo yedo. Non de baliado, soya de baliado, santo. Goliado, soma mama baliado, Jésus.
t'en règnes dans nos cœurs, que tu sois seul et qui règne à jamais pour l'éternité, Seigneur. Amen, parce que tu es celui qui vit en jamais pour l'éternité. Amen en Jésus pour tout ce que tu as fait sur la croix pour moi. Et c'est au nom de Jésus, Père, que je viens devant toi, mon Seigneur. Merci pour toutes les choses. Merci pour tous tes bienfaits. Saint-Esprit, viens. Viens, Seigneur. Embrasse ce lieu, Saint-Esprit. Oh, baba, baba, son, 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 souffle dans nos vies, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Coriado, bariado, son, bariado, belga. Bariado, et Jésus. Oh, venez adorer ce matin, Jésus. Venez adorer l'agneau ce matin, immolé. L'agneau crucifié mais ressuscité. Adorez Jésus ou ses enfants ce matin. Oh, il est Dieu. Il est maître souverain ce matin dans ce lieu. Adorez l'agneau ce matin. Oh, Gaïa, beau Jésus. Mama, babaria, oh, mama, mané. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire. Célèbre, je célèbre
Roi des rois, sois glorifié, alléluia, digne de louange, que de l'ordre la Shababa, visite ton peuple ce matin, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Seigneur, parce que tu es mon Père, Seigneur, parce que toi tu comprends toutes choses, Seigneur, alors je vais te lever ce matin, je vais te bénir parce que tu m'as adopté, Seigneur, et je suis ta fille, Seigneur. Alors sois béni ce matin, sois réjoui ce matin parmi ton peuple, Seigneur, qui te
reconnaissance de ton peuple ce matin. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur, nous le louons ce matin. Nous voulons le bénir. Alléluia. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que nous sommes dans la continuité de ce culte, nous aurons l'occasion de prendre ce matin le repas du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais lire avec vous un texte dans la parole, dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenant fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenant cette pensée, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une lettre qui est adressée aux croyants d'origine hébraïque. Mais pour nous, nous pouvons dire encore ce matin, par le sang de la croix, le sang du Fils de Dieu, toi et moi, tous ensemble, nous avons accès auprès du Père. C'est pour cela que ce matin, il est présent parmi nous. Nous lisons aussi dans ce texte comment nous devons nous approcher avec un cœur sincère, c'est-à-dire dans la vérité, dans le respect. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'apparence, parce que nous marchons avec le Dieu vérité. Amen. Il est dit aussi dans la plénitude de la foi, une pleine assurance. Alléluia. En notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de ce salut, il n'y a pas l'ombre d'un doute, frères et sœurs. Nous sommes sauvés par grâce. Et nous sommes venus ce matin pour le proclamer. Et quand nous prendrons le repas de la Sainte Cène, nous voulons encore le proclamer bien haut, bien fort, que c'est une certitude. Mon âme a été lavée. C'est la confiance la plus certaine, absolue, en Christ. Il est aussi le cœur purifié d'une mauvaise conscience, d'une purification de notre conscience. Il n'y a plus de culpabilité. Oh, alléluia! Il n'y a plus de condamnation, mon frère, ma soeur. Église, nous avons été rendus libres par le sacrifice du Golgotha. Et il est dit aussi, pour terminer, le corps lavé d'une eau pure. Ici, il est fait allusion aux morts qui sont lavés et embaumés avant de les enterrer. Et pour vous et moi, nous sommes morts en Christ pour pouvoir le glorifier, lavé par l'eau de la parole, lavé par le sang de la croix. Nous sommes morts au péché et nous sommes maintenant vivants pour Christ. Que Dieu bénisse notre cœur ce matin. Pasteur Emmanuel partagera le pain et le vin. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Merci, Pasteur Michel, pour ce moment. J'aimerais vous inviter à ce moment solennel ce matin de pouvoir partager le pain et le vin. J'ai juste une pensée. Parce que beaucoup, parfois, on a des chrétiens qui nous disent « Mais pasteur, est-ce que je dois m'abstenir de la Sainte Cène ?» J'aimerais vous donner ce matin, je pense vraiment, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Quelque part, je crois que la Bible ne nous dit pas de nous abstenir de la Sainte Cène. La Bible nous dit
de régler notre vie devant Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que certaines personnes pensent que tout le temps où ils s'abstiennent, finalement, ils deviennent justes devant Dieu. Non. Si tu penses devoir t'abstenir de la Sainte-Seine parce que ta vie n'est pas conforme avec les principes du royaume de Dieu, ce n'est pas parce que tu ne partages pas le pain et le vin que tu es juste. Oui, tu ne prends peut-être pas un jugement contre toi-même supplémentaire, mais tu n'es pas devenu juste. La seule chose qui peut te rendre juste, c'est de confesser ton péché, de demander pardon à Jésus, d'accepter le pardon de Dieu dans ta vie et de dire maintenant je repars avec le Seigneur et je vais pouvoir partager à nouveau le pain et le vin. Alléluia. Alors je le répète, pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent sur Internet, comme pour vous qui êtes ici, la Bible ne nous enseigne pas de nous abstenir de la Sainte-Seine. Dans sa pensée fondamentale, la Bible nous invite à régler nos vies devant Jésus, afin de pouvoir poursuivre la vie avec lui. Amen. Alors que nous puissions avoir un temps de consécration et un temps particulier ce matin, je vous invite à prier pour ce moment maintenant. Chacun d'entre vous puissions prier le Seigneur. La Bible nous dit de rentrer en nous-mêmes. La Bible nous invite à prendre un temps de réflexion avec le Seigneur. Un temps de recueillement. Un temps où nous laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Nous ne voulons pas encore prendre ce pain et ce vin par habitude. Nous savons que Jésus revient bientôt. Il manifeste son amour, mais il manifeste aussi sa justice. Et la justice de Dieu est là. Il nous appelle à confesser nos vies, à être justes et intègres devant lui. Et si nous avons commis des fautes, l'apôtre Jean nous dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors approchez-vous de lui, nous dit l'apôtre, afin que Jésus vous pardonne de tout péché ce matin. Prenons un temps de communion avec le Seigneur pendant ces instants, un temps d'intimité avec lui. Alléluia. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le distribua à ses disciples. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce que toutes les fois où vous prenez ce pain, vous le brisez, vous le distribuez, vous annoncez mon sacrifice, ma mort à la croix. Mon corps qui a été donné pour chacun d'entre vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous invite ce matin à prendre le pain et à le partager avec moi. Et ensuite la coupe. Et il dit ce vin est la nouvelle alliance
symbole de mon sang qui m'a coulé pour vous. C'est ce sang qui vous purifiera de tout péché. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'au jour où je reviendrai vous chercher et qu'avec Jésus, nous partagerons le pain et le vin aussi. Alléluia. Je vous invite à partager ce vin maintenant. Seigneur, merci pour les symboles que tu nous as laissés. Merci pour cette table de Sainte-Cène, ce repas du Seigneur, ce dernier repas que tu as pris avec tes disciples avant de partir. Seigneur, nous réalisons que depuis plus de 2000 ans, tout est fait pour effacer ta mémoire. Tout est fait pour effacer ta venue. Et tout est fait pour que nous oublions ton retour. Mais dans ta parole, tu nous avais prévenu. Dans ta parole, tu nous avais dit, faites attention parce que vous allez vivre des temps comme les temps de Noé. Vous allez vivre des temps où tout le monde va oublier que Dieu existe et qu'il est là. Alors les gens vont manger, vont vivre, ils vont se marier, ils marieront leurs enfants, ils vivront comme si rien d'autre n'existe. Mais le déluge est venu, comme le retour de Jésus prévient de venir. Et alors tu nous as dit dans ta parole, alertez-vous les uns les autres, prévenez-vous les uns les autres. Ces moments arrivent bientôt. Soyez prêts. Soyez fermes. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés les uns avec les autres. Parce que ma venue est proche. Et ensuite, nous savons qu'il y aura des moments tellement difficiles sur cette terre. Alors, approchez-vous de moi encore aujourd'hui. Confessez vos vies. Apportez vos cœurs à Christ. Et laissez le Saint-Esprit vous toucher maintenant, au nom de Jésus. Thank you.
Jésus. Ce matin. Je sais que nous sommes lors d'un culte, mais je pense que nous devons également être sensibles aux événements qui se passent dans notre monde. Nous sommes peut-être à la limite d'une troisième guerre mondiale. Parfois, nous négligeons les événements qui se passent, mais le Seigneur nous a prévenus dans sa parole, il nous enseigne. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Mais si les Américains continuent de vouloir titiller la Russie de cette manière, qui sait comment les choses vont aller plus loin? De quelle manière? La Bible nous dit que toute une partie de l'Amérique doit disparaître. Parce que lorsque l'Amérique ne pourra plus soutenir Israël, alors tous les pays autour d'Israël penseront que maintenant, il est possible de détruire Israël. Et la Bible nous dit qu'il faut que ces choses arrivent afin que Israël soit tellement acculé par l'oppression ennemie qu'il cesse à un moment de s'appuyer sur leurs propres armes, sur leur propre intelligence, sur les pays alliés comme les États-Unis et quelques autres, et que voyant qu'ils n'ont plus aucune solution, leur seul recours, c'est Jésus-Christ. Et pour cela, il faut qu'il se passe des événements dans notre monde. Est-ce le temps aujourd'hui que ces événements se passent? Je ne sais pas, comme vous. Mais ce que je sais, c'est que Jésus nous demande de prier pour les temps que nous vivons. Jésus nous demande d'intercéder pour que sa volonté s'accomplisse, pour que ses plans se déroulent, pour que, malgré l'agitation qu'il y a autour de nous, nous, croyant en Jésus-Christ, nous restions dans la paix parce que nous connaissons la fin de ce livre. Est-ce que tu connais la fin de ce livre? À la fin de ce livre, c'est pas le diable qui gagne. C'est Jésus qui gagne. C'est lui le grand vainqueur. Alors ne nous laissons pas intimider par la crainte que nous pourrions avoir de méconnaître les événements futurs, de savoir ce qui doit arriver. Mais faisons confiance à Jésus et à sa parole. J'aimerais vous inviter pendant quelques minutes à prier pour cela. À prier pour cette guerre actuelle. Et si peut-être il y aurait la possibilité de repousser ces moments et que tout se calme et que la paix revienne, gloire à Dieu. Mais si c'est le début d'un mouvement mondial afin que la prophétie biblique finisse par s'accomplir comme toutes les autres se sont accomplies. Je vous rappelle que plus de 95% des prophéties bibliques se sont accomplies à ce jour. Alors pourquoi le reste ne s'accomplirait-il pas? Mais alors, si nous devons continuer d'entrer dans la prophétie de l'accomplissement, alors prions pour que Dieu garde nos cœurs, que Dieu garde les églises partout dans le monde, que ces occasions ne soient pas des occasions de chute pour que des chrétiens délaissent Christ et repartent dans ce monde par crainte, par peur, mais que chacun d'entre nous, nous puissions être renforcés, renouvelés, régénérés. Alléluia. Parce que nous savons ce qui est écrit dans ce livre. Et que nous gardions confiance. Que si les choses dramatiques devaient s'étendre jusqu'à nous, et elles arriveront un jour, que nous gardions la foi, même au sein de la tribulation. Et pour cela, nous avons besoin de prier les uns pour les autres, afin de nous encourager les uns les autres. Quand je dis les uns les autres, je ne parle pas simplement de l'église locale ici.
mais je parle de l'Église partout dans la Marne, mais également en France, toute l'Église francophone et dans le monde entier. Que Dieu nous garde, que Dieu garde ses enfants. Alléluia. Et pour cela, nous devons prier les uns pour les autres. Alors je vous invite à prier quelques instants avec moi, vous qui êtes là, vous qui nous suivez sur Internet, prenez quelques instants, intercédons ensemble. Réclamons que si c'est la volonté de Dieu, sa paix puisse venir maintenant entre l'Ukraine, entre la Russie, que tous ces pays autour, les États-Unis, le Canada et le reste, cessent d'agir comme ils le font pour essayer de durcir le ton, de confronter leurs pensées, leurs volontés, que tout ce qui est caché vienne à la lumière. Nous savons que toutes ces guerres ont très souvent des raisons secrètes, cachées. Des guerres d'ego, d'égoïsme, de jalousie. Que Dieu puisse balayer tout cela. Et que si toutefois les choses devaient s'empirer, alors que Dieu protège et garde son Église, afin que nous demeurions fidèles au sein même de la persécution, que nous demeurions vrais et intègres au sein des moments difficiles. Prions comme Jésus l'a fait, qu'aucun ne se perde, mais au contraire que ce soit des occasions pour que beaucoup reviennent à Christ, parce que les temps de la fin sonnent maintenant. Que dans ce monde, que ceux qui nous suivent par Internet, comme ceux qui ont des voisins, des amis, des frères et sœurs qui ne suivent plus la parole de Dieu, puissent les interpeller, leur téléphoner, les appeler, pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à Jésus-Christ. Nos amis, les membres de nos familles, tous ceux qui se sont éloignés, dans l'amour, sans leur mettre la pression, juste leur dire, les temps sont en train de s'écrire. Revenez à Jésus. Priez avec moi quelques instants. Élevez vos voix. Alléluia. Ensemble, collectivement, élevons nos voix pendant quelques instants. Attire-les à nouveau à toi. Ceux qui sont sur le chemin de la perdition, ramène-les au nom de Jésus. Ceux qui t'ont délaissé, ceux qui sont partis dans leur vie de ce monde, attire, Seigneur, nos bien-aimés, ceux pour qui nous prions peut-être depuis tant de temps, tant de mois, tant d'années. Attire-les à nouveau à toi, Jésus. Attire-les à toi. Garde ton peuple. Garde ton peuple jusqu'à ton retour. Garde-nous fidèles. Garde-nous dans ta parole. Garde-nous justes. Pour que le jour où tu reviennes, tu puisses nous prendre avec toi. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh rab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 a, rosso de l'eau. Que l'eau, ma risso. Te prions pour tous ceux qui sont perdus, Seigneur, sauve-les. Sauve-les. Tous ceux qui ont entendu l'évangile une fois, attire-les à toi. Réveille les consciences, Seigneur, alléluia. Envoie des songes. Révèle-toi la nuit, le jour. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, révèle-toi parmi tous ces musulmans aujourd'hui.
ceux qui sont en plein ramadan, Seigneur, révèle-toi, touche leur cœur, touche leur vie. Que la puissance de Dieu se révèle à eux. Tu connais les cœurs sincères, tu connais ceux qui te cherchent avec vérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Seigneur, sauve, sauve, sauve toute race, toute race, toute couleur, toute religion. Sauve, Seigneur, ton humanité. Au nom de Jésus, avant que tu ne reviennes nous chercher. Oh Dieu de grâce. Vers le chemin de la vérité. Tu nous auscultes. Tu nous demandes à être authentique. Vérifie ton outre si elle est bien encore telle ville. Vérifie que ta lampe reste allumée. Si l'époux vient et que la porte est fermée, tu seras tellement attristé, ce sera trop tard. Mais oui, l'époux vient, on ne sait pas à quelle heure. Assure-toi que ton outre ait bien encore de l'huile. Assure-toi que le Saint-Esprit soit bien toujours là. Continue, devrait, continue de t'approcher du Saint-Esprit. Continue, continue ta présence dans le Saint-Esprit. Assure-toi que ton huile soit toujours bien, ton autre soit toujours bien rempli. Assure-toi que le Saint-Esprit est toujours bien présent dans ta vie. Mets-toi en règle, n'attends pas. Comme la veuve de Sarepta ne peut plus avoir d'outre pour dire l'huile est finie, mais remplis, remplis ton outre. Le Seigneur te dit, je ne sais pas quand, le Seigneur me l'a déjà dit la semaine dernière, je ne savais pas, je n'ai pas osé de dire pardon, mais le Seigneur te dit, je viens, assure-toi de ton huile. Soyons prêts à te recevoir. Assure-toi que tu as de la présence. Tu viendras, Seigneur. Je viens là. Tu seras le seul jugé. Tu seras. Gloire. Quel que soit, je dirais, Seigneur, les œuvres que nous avons vues dans ce monde, nous sommes prêts à juger. Gloire. Bienfaisant. Loin de là. Bien loin de là. Se lever quelques instants pour chanter ce cantique. Tu es saint, tu es le Dieu, trois fois saint.
Celui qui vient ce matin. Alléluia. Il est sur la route, il est sur le chemin, il est en train de venir. Alléluia. Je vous invite à reprendre place quelques instants. Alléluia. Merci pour sa présence. Merci pour ce temps de louange également, pour ces moments. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous encourage et qu'il nous fortifie. Alléluia. Nous continuons dans cette notion concernant le combat spirituel. Et il me semble que ces moments sont importants, nous devons vraiment ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans notre pays, en Europe, à l'international. Il est important, Jésus a toujours eu un regard avisé au travers des événements, au travers des éléments, au travers des situations géopolitiques, et sa parole, eh bien, a toujours continué à se produire et à se manifester au travers de ces moments. Pour nous, pour l'heure, il est important que nous puissions comprendre cette notion du combat spirituel, cette notion de ce que, là où Dieu nous attend. Et j'aimerais aller un peu plus loin, nous avons fait une première partie dimanche dernier, je vous invite à reprendre si vous ne l'avez pas vue, sur internet, sur notre chaîne YouTube, et de pouvoir aller plus loin. Nous avons vu les raisons de la guerre spirituelle, pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Nous avons également expliqué la venue de Jésus. Nous avons aussi abordé la notion de cette grande division qu'il y a eu lorsque Jésus est venu pour ceux qui l'ont accepté et ceux qui l'ont rejeté encore pour l'instant. Et puis, nous nous sommes arrêtés un instant sur le plan de bataille, les stratégies spirituelles que Dieu nous donne afin que nous puissions, eh bien, tout simplement avoir ces mêmes stratégies. Est-ce qu'on peut enlever l'écho, peut-être, s'il te plaît, Béa, merci. Les stratégies spirituel dans le combat que le Seigneur lui-même a engagé. Et dans cette bataille de Dieu, dans ce combat spirituel, eh bien, nous nous rendons compte que Jésus lui-même, tout simplement, s'y est rattaché. Il les a vécus, il les a pratiqués. Nous avons déterminé 6 points majeurs qui sont importants pour chacun d'entre nous. On en a vu 2 déjà dimanche dernier, la notion de la parole de Dieu, comment utiliser l'écriture, comment utiliser la parole de Dieu comme Jésus lui-même l'a utilisée. La deuxième chose que nous avons vue la semaine dernière, c'est le pouvoir et l'autorité qui ont été délégués, qui nous a été délégués encore aujourd'hui. Donc je ne reviens pas dessus puisque nous en avons déjà parlé. Depuis quelques mardis,
Le pasteur Michel a abordé le sujet de la prière et je vous amène vraiment à réécouter ce qu'il a pu aborder dans ces différents thèmes. Vous avez toutes les réunions et les rencontres du mardi soir sur YouTube également si vous voulez reprendre ces messages. Je vous invite également ce matin à prendre des notes, à regarder, parce que je vais vous donner beaucoup de choses pour compléter un petit peu tout cela. La prière, on en a souvent entendu parler. L'idée, c'est que chacun d'entre vous, vous puissiez noter, vous puissiez réfléchir, vous puissiez reprendre ces choses également chez vous, à la maison, et méditer sur ces choses-là. De voir tout simplement qu'est-ce que vous avez besoin davantage, qu'est-ce qui vous manque, et là où le Seigneur veut nous amener. Jésus a utilisé la prière, n'est-ce pas ? Mais on a souvent une mauvaise conception de la prière. On l'a enfermée dans un principe religieux, et pour beaucoup de personnes, la prière, c'est juste demander quelque chose. Et comme on a résumé la notion de la prière à demander quelque chose, cela explique tout naturellement pourquoi tant de chrétiens sont frustrés quand on parle de prière. Ça explique aussi pourquoi tant de chrétiens ne sont pas là lors de nos rendez-vous de prière, par exemple le mardi soir. Parce que lorsqu'on considère que la prière, c'est simplement demander afin de pouvoir recevoir quelque chose, d'où vient la frustration ? Quand je ne reçois pas. Je ne reçois pas, donc je suis frustré. Et comme bien souvent dans nos églises, notre mentalité n'est pas une mentalité, pardon de le dire comme ça, mature, mais nous réagissons souvent, pas ici à Reims, mais dans d'autres endroits où je suis passé, comme des gamins, comme des enfants, comme des bébés spirituels. Alors on s'en prend à Dieu, on s'en prend à l'église, on s'en prend aux uns et aux autres. Dieu ne répond pas à ma prière. Si Dieu ne répond pas à ma prière, ce n'est pas la peine que j'aille à la réunion de prière. Pourquoi ? Parce que nous avons enfermé la prière dans une pensée religieuse, essentiellement catholique, qui est de dire « je demande et je vais recevoir ». Et là, on a inventé plein de choses, des choses vraies parfois. On nous a dit bien qu'il fallait jeûner, qu'il fallait prier avec persévérance. On nous a même dit qu'il fallait donner de l'argent et peut-être qu'en donnant plus d'argent, on allait plus avoir de bénédictions. Évangile de prospérité que nous avons développé déjà pour contrecarrer cette mauvaise pensée, cette fausse pensée évangélique. Et qu'est-ce que ça fait naître ? Encore plus de frustration. Des gens viennent nous voir disant « j'ai prié davantage, j'ai jeûné, j'ai même pour une fois donné ma dîme ». Ça pouvait se faire régulièrement, ça pourrait être bien. Mais les gens sont frustrés. « J'ai pas reçu ». Dieu ne m'a pas répondu. Parce que la prière, ce n'est pas demander, tu reçois. La prière, c'est une relation. Et si nous avons tous compris cela, alors le mardi soir, on devrait être blindé ici. Une relation. Une relation, pas avec le pasteur. Une relation, pas avec l'église. Une relation, pas avec un conseil spirituel. Une relation, pas... Non, une relation simplement avec Jésus. Une relation avec Dieu, le Père. Si nous considérons tous nos moments de prière comme une relation unique avec le Père, je crois qu'on viendrait tous à ces moments de prière. Si vous étiez garanti de prendre un rendez-vous et que chaque semaine, une sommité, une star ou je ne sais pas, quelqu'un que vous aimeriez rencontrer vous dit « je te donne un rendez-vous chaque semaine », est-ce que vous n'iriez pas ? Dieu nous donne un rendez-vous à chaque seconde de notre vie. À chaque instant, à chaque moment, une intimité avec lui. Et parfois, nous sommes là tout simplement en disant, ben, nous, on va organiser un moment hebdomadaire. Un temps le dimanche, un temps le mardi. Et malgré ces rendez-vous que nous fixons, beaucoup ne sont pas là. Quel dommage ! Parce que la prière, ce n'est pas « je demande et je reçois ». On le verra, si, c'est aussi cela. Mais dans un autre contexte, dans une autre compréhension. La définition de la prière, c'est une communion. La définition de la prière, c'est une relation intime avec Dieu. C'est complètement différent de dire tout simplement « je prie pour demander parce que j'ai besoin de quelque chose ». C'est juste un moment de communion, un moment de relation. Et elle va se concrétiser, je dirais, de deux manières différentes. La prière, ça se concrétise quand l'homme parle à Dieu et puis... Et quand Dieu parle à l'homme.
Et mon frère, ma sœur, mon ami, ce matin, il faudrait vraiment que tu comprennes cela. La prière, ce n'est pas seulement quand toi, tu as décidé de parler à Dieu, mais c'est quand Dieu décide de parler à ton cœur aussi. C'est ça la prière. C'est un mot qui englobe tout simplement un moyen. La prière, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour être en communion avec lui. La foi, ce n'est pas un truc. La foi, c'est un moyen. C'est un moyen que Dieu nous a donné pour voir sa puissance et sa gloire. Est-ce que vous comprenez ? Le jeûne, ce n'est pas un truc magique. C'est un moyen supplémentaire que Dieu nous a donné dans sa stratégie spirituelle pour comprendre la notion du combat spirituel. Et ce que nous puissions être victorieux. Nous avons vraiment besoin chaque jour de réaliser davantage cela. Parce que nous sommes dans une période de vie, dans une période de temps où Dieu cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Malheureusement, trop souvent, il est obligé de dire, comme dans le livre d'Ézéchiel, « Je cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, mais je n'en trouve pas. » Je n'en trouve pas. Ah, on trouve des gens pour s'amuser, on trouve des gens pour aller boire un coup, on trouve des gens pour aller faire ceci, pour aller faire cela, pour avoir du loisir, pour avoir de l'activité, pour avoir plein de choses, mais pour avoir des temps où on va dire « on va intercéder maintenant ». Là, on trouve beaucoup moins de monde. Ou des moments où on va dire « allez, on se rassemble ensemble pour écouter Dieu ». C'est la prière, mon frère, ma sœur. Et l'Église d'aujourd'hui a besoin de cela. Il y a toutes sortes d'exemples de prière, toutes sortes d'exemples dans la parole de Dieu qui sont des expressions qui définissent la prière. Je vais vous en donner quelques-uns. Un appel au nom de l'Éternel dans Genèse 12:8. Un cri à Dieu, psaume 34. Je ne vais pas les développer, vous êtes suffisamment grand pour aller lire la Bible. Si vous n'avez pas envie de la lire, c'est votre problème. Moi, je vous donne juste les passages où vous pouvez aller méditer, où vous pouvez aller réfléchir, où vous pouvez tout simplement aller récupérer des informations pour faire grandir votre vie spirituelle. Je ne suis pas responsable de votre maturité spirituelle. Ma responsabilité, c'est de vous donner de la nourriture. Mais si tu n'as pas envie de manger, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Si tu as envie de rester là où tu es, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Si tu veux rester là dans ta misère spirituelle, dans ta petitesse spirituelle, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Nous ne serons pas jugés de cela. Nous serons jugés de ce que nous allons apporter. Nous serons jugés des enseignements que nous apportons, des paroles que nous professons, mais pas de la responsabilité de ce que vous ferez ensuite de cette parole. Chacun doit être responsable de lui-même. Seul encouragement que je peux te donner, mon frère, ma sœur, c'est grandis. Grandis. Grandis avec Jésus. N'en reste pas là où tu es. Grandis avec Jésus. Il n'y a pas un seul moment où il faut nous arrêter. La Bible nous dit, lors d'une formation hier, je disais, nous sommes appelés, comme l'apôtre Paul le cite plusieurs fois, à marcher de progrès en progrès. Il n'y a pas un seul moment où ça s'arrête. Le seul instant où ça va s'arrêter, c'est lorsqu'il viendra nous chercher, ou le jour où la mort te prend. Mais tant que la mort ne t'a pas pris, mon frère, ma sœur, continue de grandir. Développe ta vie spirituelle, ton caractère spirituel, ton intimité avec Dieu. Alors ici, nous avons toutes sortes d'exemples. Un appel au nom de l'Éternel dans Genèse 12 et le psaume 27. Non, on revient sur la première. Oui, voilà, d'accord, merci. Un cri à Dieu, s'approcher de Dieu dans le psaume 73, se tourner vers Dieu, le psaume 5, se confier en Dieu, le psaume 25, élever son cœur dans les lamentations, épancher son cœur, le psaume 62, un cri au ciel dans 2 Chroniques 32, implorer l'Éternel dans Exode 32, rechercher vraiment Dieu dans Job 8 et le psaume 27, adresser ses supplications dans Job 8 et Jérémie 36. On va essayer d'aller un petit peu plus loin et de regarder cela. Parce que celui qui nous enseigne, c'est particulièrement, bien entendu, Jésus-Christ. Et la prière de Jésus est vraiment intéressante parce que la prière pour Jésus, ce n'était pas juste quelque chose qu'il faisait parce qu'il s'appelait Jésus. Non, il savait que c'était une stratégie. Et c'était une stratégie indispensable, même pour lui. Est-ce que vous arrivez à comprendre cela ?
même pour Jésus. Souvent, j'ai des chrétiens qui me disent, mais quand même, c'était Jésus. Il pouvait faire quand même ce qu'il faisait, comme il le voulait, comme il... Nous devons réaliser que tout ce que faisait Jésus était uniquement en relation avec son Père et par son Père. Est-ce que nous, dans notre petite tête de croyants, on peut arriver à enregistrer ça ? Pourquoi je vous dis cela ? Parce que si Jésus lui-même, tout ce qu'il fait, il le fait avec son Père et par son Père, alors à combien plus forte raison nous, comment on va accomplir les choses ? Comment nous, petits êtres humains, remplis de péchés, comment nous allons pouvoir accomplir les principes du royaume de Dieu ? D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que même Jésus lui-même va dire de lui-même qu'il ne pouvait rien faire par lui-même ? Vous avez jamais médité ce verset ? Jean chapitre 5, le verset 30, c'est Jésus qui parle et il dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Mais quand même, c'est Jésus. T'es le Fils de Dieu, tu fais ce que tu veux. Non, Jésus ne fait rien de par lui-même. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il juge, tout ce qu'il entend, etc., la seule chose qu'il va chercher, c'est quoi ? C'est à faire la volonté de son Père. La volonté de son Père. Alors si Jésus s'appliquait lui-même cette règle indétournable et indiscutable pour lui, à combien plus forte raison nous-mêmes nous devrions nous l'appliquer ? Et voyez, juste dans ce verset, et j'y reviendrai plus tard, nous pouvons comprendre pourquoi, parfois, dans nos vies, tant de prières ne sont pas exaucées. Parce que bien des prières sont tout simplement l'aspiration de nos intérêts, de nos mobiles personnels, mais pas les intérêts du royaume de Dieu. Alors Dieu ne nous exauce pas. Ce n'est pas la seule raison, on le verra tout à l'heure, mais ça en fait aussi partie. Je dis donc que si Jésus lui-même était dans cette obligation de faire la volonté du Père, alors à combien plus forte raison nous-mêmes, nous devons chercher la stratégie du Père pour notre vie. La stratégie du Père pour notre famille. La stratégie du Père pour notre vie professionnelle. La stratégie du Père pour l'Église. La stratégie du Père pour notre destinée. C'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des moutons de panurge. Hello ? Vous n'êtes pas là pour faire ce que le pasteur dit de faire. Vous êtes là pour devenir des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. Alors peut-être que pour certains, vous avez rarement entendu ce type de message. Mais nous, les pasteurs, nous ne sommes pas là pour faire des enclos enfermés avec des moutons. Nous sommes là pour élever, éduquer, enseigner des brebis, afin que chaque brebis devienne mature, autonome, et que chacune puisse engendrer. Et pour cela, nous avons besoin de la vitalité du Père dans notre vie, pour pouvoir nous développer. Alléluia. C'est pour cela que Jésus attachait une notion toute particulière à ces temps de rencontre. La prière, c'est-à-dire pour lui la relation avec son Père, la communion avec son Père, ce n'était pas juste indispensable, c'était une priorité. Et vous regarderez, il pria à tout moment, le jour ou la nuit, Luc 6. La prière passait même avant la nourriture, Jean 4, 31. La prière passait même avant les affaires à accomplir, parce qu'il avait besoin de savoir ce que le Père voulait accomplir pour marcher dans ses voies. Et vous remarquerez que dans la vie de Jésus, la prière accompagnait tous les événements importants. Je vous en ai relevé une dizaine, peut-être plus, je ne sais plus. Tous les événements importants sont accompagnés de prières. À son baptême, Luc 3, 21. Pendant la première partie de son ministère, dans Marc 1, 35. Luc 5, 16 également.
avant de choisir ses disciples, bien sûr, Luc 6, avant et après avoir nourri les 5000 dans Matthieu 14, pendant qu'il nourrit les 4000 dans Matthieu 15, avant la confession de Pierre, avant la transfiguration, au retour des 70, lorsqu'il lui avait, il leur avait délégué leur autorité, son autorité dans Matthieu 11, à la tombe de Lazare dans Jean 11, pour la bénédiction des enfants dans Matthieu 19, à l'arrivée de quelques Grecs dans Jean 12, avant son moment d'angoisse dans Matthieu 26, pour Pierre dans Luc 22, pour le baptême du Saint-Esprit dans Jean 14, sur la route d'Emmaüs dans Luc 24, juste avant l'ascension, pour ses disciples dans Jean 17. Et le modèle, bien sûr, de prière enseignée par Jésus dans Matthieu 6. Avez-vous remarqué ? Et peut-être vous ne l'avez pas remarqué, si vous n'avez pas repris l'ensemble de ces textes ou si vous ne les lisez pas régulièrement, mais vous remarquez que Jésus n'a pas seulement des moments de prière pour demander au Père qu'il fasse quelque chose, mais 90% du temps, Jésus a des temps de prière en amont, avant, pour ne pas se tromper. Et pour toujours faire la volonté du Père. Mon frère, ma sœur, ça nous enseigne à aller chercher la présence de Dieu en amont. Et pas simplement à aller chercher la présence de Dieu quand nous avons des problèmes, quand nous sommes dans les conflits, quand nous sommes dans les dettes, quand nous sommes dans les difficultés, quand nous sommes dans une situation où il n'y a plus de solution. La Bible nous invite à être dans cette intimité avec Dieu en amont, avant, afin de percevoir la volonté de Dieu, la voix de l'Esprit, afin de connaître ce que Christ veut accomplir et comment il veut l'accomplir au travers de notre vie. Encore une fois, si Jésus lui-même se donnait la peine d'agir de la sorte, alors combien, à plus forte raison, nous, pauvres créatures, nous devrions agir de cette manière-là aussi, pour connaître dans notre vie à chaque fois la volonté du Père. Et comment cela peut se faire ? Très simplement, l'apôtre Paul appelle chaque croyant, la Bible nous dit, à faire en tout temps par l'Esprit de Dieu, la Bible dit dans Éphésiens 6, 18, toutes sortes de prières, toutes sortes. Une autre version de la Bible, la version top, va même dire que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de prier. Il n'y a pas qu'une seule façon de s'adresser, bien entendu, à Dieu. Et il y a même différents niveaux de prière et il y a différents types de prière. J'aimerais les voir avec vous rapidement. Quels sont les différents niveaux de prière ? Je l'ai abordé rapidement tout à l'heure en introduction. Je dirais qu'il y a trois niveaux d'intensité de prière. Demander, chercher et frapper. Vous connaissez ce verset de l'Écriture dans Matthieu 7, n'est-ce pas ? Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous remarquerez que quand on demande à Jésus « enseigne-nous à prier », il ne dit pas « priez et je vous donnerai ». Il ne dit pas ça, n'est-ce pas ? Il dit « demandez ». Chercher, frapper. Mais Seigneur, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Nous, on a dit, comment on fait pour prier ? Ben, vous priez, vous recevez. Non. Vous voyez comment on résume les choses, comment on réduit les choses, comment on ramène les choses juste dans un cadre religieux. Et puis après, on est frustré. Dieu ne répond pas à ma prière. J'ai fait ci, j'ai fait des sacrifices, j'ai jeûné, j'ai donné, j'ai fait cela. Et finalement, regarde où j'en suis aujourd'hui. Combien j'entends depuis plus de 30 ans des chrétiens aigri, rempli d'écœurement, parce que les choses dans leur vie ne se passent pas comme ils le souhaitent eux-mêmes. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu en es là aujourd'hui, tu risques d'être frustré encore pendant longtemps. Si pour toi, prier, c'est uniquement t'attendre à ce que Dieu accomplisse des choses dans ta vie selon ce que tu souhaites, selon ce que tu désires, selon ta propre volonté, tu risques alors d'être frustré pendant un certain temps. Moi, ce matin, au travers de ce message, j'aimerais t'amener dans
un épanouissement, une plénitude. Comment nous pouvons rentrer dans cette plénitude dont l'apôtre nous parle ? Comment pouvoir entrer dans cet épanouissement spirituel dont la Bible nous enseigne tellement de choses ? En étant en conformité avec le Père, en étant en symbiose avec le Père, en étant dans une relation tellement intime que sa voix est devenue une habitude, elle est devenue quotidienne. Je sais quand Dieu me parle et je sais quand Dieu ne me parle pas. Combien de chrétiens disent « Mais Dieu ne me parle pas aujourd'hui ». C'est une anomalie. Dieu parle encore aujourd'hui. S'il ne te parle pas, c'est que tu n'as plus habitué ton oreille à l'écouter. Alors réhabitue ton oreille. Ce n'est pas une condamnation ce matin. C'est une constatation. Et l'encouragement, c'est « Réhabitue ton oreille à écouter la voix de l'Esprit ». Parce que nous sommes dans une période de temps. Nous sommes dans une période de vie où Dieu cherche des oreilles attentives. Où Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont une acuité sensible à la voix de son esprit. Je raconte souvent cette histoire, si vous avez entendu mes messages sur la prière, j'aime beaucoup cette histoire vraie qui s'est passée lors d'une conférence où, lorsque un missionnaire rentrait de ses missions, de ses voyages missionnaires et de tout ce temps qu'il avait passé en mission. Quelques années plus tard, étant à la retraite, la fin de sa vie approchant, il a organisé dans son église aux États-Unis une très très grande convention. Et il a voulu inviter tous ces jeunes pasteurs qui avaient été engendrés dans toute cette période missionnaire avec d'autres frères avec qui il avait travaillé. Et là, alors qu'ils sont dans cette grande convention, ils sont dans une grande ville aux États-Unis et le midi, ils sortent pour aller manger. Ils sont sur le trottoir et alors qu'ils sont en train de discuter, ce vieux pasteur, ce vieux missionnaire avec ses jeunes collaborateurs qu'il a qualifiés, qu'il a formés, qu'il a appelés à servir et à s'occuper du service là-bas. Alors qu'ils sont en train de marcher tout simplement, il y a un moment donné, ce jeune pasteur, il s'arrête et il dit au missionnaire, « Écoute, il y a un grillon. » Missionnaire le regarde, lui dit, « De quoi tu me parles ? On est là, sur une avenue principale, aux États-Unis. Il y a juste des taxis qui passent, des bus. Ça fait un bruit épouvantable. Tout le monde est en train de faire un bruit pas possible. Et toi, tu dis, t'entends un grillon ? » Et le jeune pasteur ne s'intéresse pas trop aux paroles du vieux missionnaire. Et tout simplement, il suit son instinct, ce qu'il pense entendre, et à un moment donné, il rentre dans le hall d'un hôtel qui était à proximité. Puis il voit des grandes feuilles, des grands arbres, des trucs comme ça. Alors, il regarde, il farfouille. Puis à un moment donné, il plonge la main. Et qu'est-ce qu'il récupère ? Un grillon. Le vieux missionnaire, il est fou. Il dit, mais comment à cette distance t'as pu entendre un grillon ? Avec tout le brouhaha qu'il y a ici, comment tu as pu faire ? Ce jeune pasteur dit, papa missionnaire, c'est moi qui vais t'enseigner aujourd'hui. Il lui dit, tu sais, moi depuis tout petit, on m'a enseigné à reconnaître dans mon pays et dans le village où j'ai grandi les bruits qu'il y avait aux alentours. Et on m'a appris depuis tout petit à reconnaître des oiseaux, certains animaux, certains cris, certains sons, certains bruits. Et en particulier celui-ci, les grillons, parce que nous, on les mange. Et il dit, vous ici, vous ne les entendez pas parce que vous n'êtes pas habitués à cela. Et ce n'est pas quelque chose qui est une proximité pour vous. Alors qu'ils sont toujours là sur le trottoir, qu'il y a un monde fou, les gens traversent, etc. Il lui dit, ce jeune pasteur, il dit, vous savez à quoi vous, les Américains, vous êtes habitués ? Alors il met la main dans sa poche, il sort des pièces. Et alors que personne ne les regarde, il fait ça. Et à ce moment-là, vous avez 10 Américains qui se sont arrêtés en train de regarder par terre pour savoir si ce n'était pas eux qui avaient perdu des pièces. Personne n'a entendu le grillon. Mais tous, ils ont entendu les pièces qui étaient tombées.
C'est exactement ce qui se passe, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, avec la voix du Saint-Esprit. Tous nous entendons la voix de ce monde. Tous nous entendons ce qui se passe ici ou là. Tous nous nous laissons affoler, nous nous laissons inquiéter. Tellement de chrétiens aujourd'hui sont même dans la crainte, dans la peur de cette guerre, de tout ce qui est en train de se passer, de ces épidémies et de je ne sais trop quoi encore. Qu'est-ce qui peut nous rassurer ? Qu'est-ce qui peut nous donner une vraie confiance dans les choses de l'avenir ? Une seule chose, mon frère, ma sœur, la voix du Saint-Esprit. C'est la seule chose qui peut nous rassurer. C'est la seule chose qui peut tout simplement garder notre cœur dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. Rien d'autre ne pourra nous satisfaire. Et dans les périodes de crise dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, la seule chose qui peut nous maintenir jusqu'au bout, c'est la puissance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, la vérité du Saint-Esprit. Il n'est pas simplement le consolateur. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Et mon frère, ma sœur, c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que tu as besoin, chacun d'entre nous. Et le problème, c'est que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus comme ces Américains. Nous sommes sensibles au bruit de ce monde. Nous sommes sensibles à la mentalité de ce monde. Nous avons été aguerris à tout ce que ce monde a trouvé comme attrait. Et ces attraits sont devenus nos attraits. Mais les choses les plus importantes, les plus significatives, les choses les plus indispensables, et notamment avoir une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit. Et bien dans beaucoup d'églises aujourd'hui, et pas simplement en francophonie, mais bien dans le monde entier, beaucoup ont perdu cette acuité auditive d'entendre aujourd'hui encore et encore la voix du Saint-Esprit. Pourtant, Dieu n'a jamais cessé de parler autant. Je vous le dis, Dieu n'a jamais cessé de parler autant. Et encore aujourd'hui, Dieu parle et Dieu parle encore. Encore aujourd'hui, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Il le fait encore, encore et encore. Et j'en veux pour preuve, vous savez quoi ? Tous ces gens dehors, tous ces jeunes qui ne connaissent rien de Dieu parce que pas eu d'éducation, parce que des parents qui se foutaient de Dieu, ont même dit que Dieu n'existait pas. Alors eux, ils sont là juste à la rue, ils ne connaissent pas ces choses. Et ils rencontrent à un moment donné un frère, une sœur, un homme, une femme, quelqu'un de l'église, qui leur dit « Mais tu sais, t'es pas seul, Jésus existe. C'est qui Jésus ?» Alors, pasteur Michel, ou Fabrice, ou je ne sais trop qui, ou chacun d'entre vous, à un moment donné, vous allez commencer à expliquer qui est Jésus, qui est Dieu. Et j'en veux pour preuve que ces hommes et ces femmes, ces gars et ces filles, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a comme quelque chose qui commence à bouillir dans leur cœur. Il y a comme un désir, il y a comme une envie d'en savoir davantage. C'est comme si leur oreille était juste disponible à écouter, à entendre, à recevoir un nouveau message de la puissance de l'Évangile. C'est notre responsabilité, frères et sœurs. Je suis complètement sorti de mon message, mais ça ne fait rien, gloire à Dieu. Nous devons à nouveau être sensibles à la voix du Saint-Esprit. L'Église ne se réconciliera pas, l'Église ne grandira pas tant que chacun, nous ne serons pas sensibles à la voix du Saint-Esprit. S'il y a encore des divisions dans l'Église, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas sensibles tous à la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h, il n'y a pas d'autre raison que celle-ci. Parce que lorsque nous sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit, vous savez ce qui se passe ? On marche tous ensemble. On marche tous ensemble. Il n'y en a pas 10, 15 qui partent d'un côté, 10 autres qui partent là-bas, 3, 4 ailleurs. Quand nous sommes tous sensibilisés par la voix du Saint-Esprit, nous marchons ensemble avec Jésus. Il y aura un temps où Dieu nous dira, et notre bouche sera fermée. Et Dieu nous dira, pourquoi t'as pas obéi? Tu savais que c'était moi qui parlais.
Tu savais que c'était moi qui te demandais de te réconcilier. Tu savais que c'était moi qui te demandais de faire la paix dans ton couple. Tu savais que c'était moi qui te demandais de te réconcilier avec ton frère, ta sœur. Tu savais que c'était moi qui te demandais d'arrêter d'être orgueilleux, orgueilleuse. Tu savais que c'était moi qui te demandais d'arrêter de te tenir fièrement, alors qu'en fin de compte, tu as tellement de choses à te reprocher, à confesser tes péchés et à demander pardon. Tu savais pourquoi tu ne l'as pas fait. Et là, nous serons plus responsables pour les uns et pour les autres. C'est chacun d'entre vous qui serait responsable devant Dieu. Et je rajoute juste une chose, c'est que ni vous, ni moi, devant Dieu, à ce moment-là, on aura la parole pour répondre. Parce que là, aujourd'hui, tu peux raconter toutes les histoires de ta vie. Toutes les histoires que tu veux pour t'excuser, pour dire non, je ne ferai pas ceci, non, je ne pardonnerai pas, non, j'irai pas comme ci, non. Tu peux raconter toutes les histoires que tu veux aujourd'hui. Mais il y a un jour où toi et moi, on aura devant Dieu la bouche fermée. Et Dieu nous fera simplement défiler le fil de notre vie. Peut-être même qu'il a filmé des passages qui se sont passés ici ou ailleurs. Ou peut-être même des moments intimes que personne n'a vus, mais où des frères et des sœurs sont venus. Chez toi, ou toi t'es venu chez elles, et ils t'ont dit des choses avec vérité. Et ces vérités, tu ne les as pas écoutées, tu ne les as pas mis en pratique. Et Dieu peut-être te refera ce film-là, il te dit, tu vois, j'ai jalonné dans ta vie régulièrement des hommes, des femmes, pour t'interpeller, pour te dire, hé, réveille-toi, secoue-toi. Et à un moment donné, il faut que tu sortes de là, il faut que tu arrêtes de rester dans cette mauvaise mentalité. Et que tu reviennes pleinement à moi. Et Dieu te dira pourquoi tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait. Demandez. Et on vous donnera. C'est le premier niveau de la prière. C'est tout simplement l'acte de se présenter devant le Seigneur, de lui formuler une requête, afin effectivement, là, dans ce cas-là, de recevoir une réponse. Parce que nous sommes en communion avec lui. Et c'est vrai que pour recevoir, il nous faut demander. Jacques le dit, vous ne possédez pas, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou une autre version dit parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos besoins et pas dans le but de satisfaire le royaume des cieux. Frère, ma sœur, la prière, c'est une arme spirituelle, particulièrement puissante. Pourquoi c'est une arme spirituelle puissante? Quand tu es en relation avec Dieu, alors la révélation de Dieu est là, pour toi, à ta disposition. Et quand tu as la révélation de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, le diable est en échec. Qui peut tenir devant Dieu? Personne. Personne, même pas le diable. Le diable peut tenir devant moi, mais il ne peut pas tenir devant Dieu. Le diable peut m'influencer, il ne peut pas influencer Dieu. Si moi je suis en relation avec le Père, oh, alors le diable il a intérêt de se barrer vite. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père va révéler à ton cœur les stratégies pour que dans certains types de prières, tu puisses avoir la victoire. Il va te révéler comment prier. Et pourquoi, en deux mots, prier? Il va te dire là où il y a des blocages spirituels. Il va te dire pourquoi tu n'as pas de réponse. Il va t'amener à aller un peu plus loin et te dire arrête maintenant simplement de demander, maintenant il faut que tu cherches. Cherche. Oui, parce que chercher, c'est un niveau plus profond. C'est là où il n'y a pas forcément une réponse qui est immédiate, comme le niveau tout simplement de la demande. Souvent, la demande, c'est quand on est des jeunes convertis, quand on vient de découvrir Jésus. Combien de chrétiens nous pourrions témoigner de cela, où on a dit, lorsque nous sommes convertis, mais c'était quand même tellement extraordinaire, on demandait, on recevait. Mais en vérité, on demandait, on recevait, on demandait, on recevait. Ça s'est fait peut-être 5 fois, 10 fois, 20 fois, 1000 fois. Puis on s'est rendu compte que petit à petit qu'on avançait dans la vie chrétienne, on demande et on ne reçoit pas. Vous avez vécu ça vous aussi? Mais j'ai vécu ça aussi, tout le monde en vit ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, maintenant, il faut que tu arrêtes d'être un enfant. Au début, je te donne pour montrer que je suis là, je suis réel, je suis présent, je suis vivant. Tu demandes, tu reçois.
Mais maintenant, mon ami, tu vas arrêter d'attendre toujours que papa, maman, ils te donnent à manger. Tu sais, il y a un moment donné, il faut travailler. Il y a un moment donné, il faut gagner sa vie. Bon, à ceux qui veulent entendre. À un moment donné, c'est plus papa, maman qui doit payer ton loyer, tu vois. À un moment donné, c'est pas papa, maman qui doit payer ton assurance de voiture. À un moment donné, c'est plus papa, maman qui doit t'amener à l'hôpital, au médecin, faire tes courses, etc. Peut-être même, ça serait plutôt à toi d'aller les aider. Mais toi, t'as 25, t'as 29, t'as 30 ans, t'as 35 ans, et t'es toujours dépendant de tes parents. Je sais pas pourquoi je dis ça, je vais me faire des amis, là. Alors, règle tes problèmes. Règle tes problèmes. À un moment donné, mon frère, ma sœur grandit. Faut arrêter, là, d'être toujours dépendant des uns, dépendant des autres. C'est quand que tu vas grandir dans ta vie, là? C'est quand qu'à un moment donné, tu vas dire, bon, écoute, papa, maman, un grand merci pour tout ce que vous m'avez donné, un grand merci pour l'éducation. Maintenant, mon job, c'est de m'envoler par moi-même. OK. Donc, au début, c'est demander, ensuite, c'est chercher. Pourquoi ? Parce que Dieu nous dit, à un moment donné, il faut que tu grandisses, là, maintenant. Ça serait bien de prendre un peu de maturité, ça serait bien de comprendre par toi-même, ça serait bien de réaliser que tu n'as pas forcément toujours besoin d'un tuteur ou d'un mentor pour manger quelque chose. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher tout seul à manger la nourriture spirituelle. Hello ? C'est à toi d'aller piocher dans la parole de Dieu, savoir où piocher, quoi prendre, quoi manger, pour grandir toi-même. Vous savez pourquoi ? Vous êtes la responsabilité souvent de la chute de pasteurs. Parce qu'en agissant toujours comme des enfants, vous traduisez des pasteurs comme des gourous. Je ne fais rien par moi-même. Dès que j'ai quelque chose, je vais voir le pasteur. Dès que j'ai quelque chose, je vais voir le frère ou la sœur untel. Dès que j'ai une question, je vais tout de suite voir quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner, qui va pouvoir me dire ce qu'il faut faire. Alors, qu'on soit bien conscient de cela. Lorsque on est des enfants spirituels, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal d'avoir des tuteurs, d'avoir des frères et des sœurs anciens dans l'Église qui sont là pour nous conseiller, pour nous écouter, pour prier avec nous, pour nous faire grandir, pour nous faire découvrir les choses. Mais il y a un moment donné, si nous ne savons pas apprendre pour nous-mêmes, nous devenons des hommes et des femmes dépendants. La Bible ne nous invite pas à être des hommes et des femmes dépendants. La Bible nous invite à être des hommes et des femmes autonomes. Autonome. Apprendre à faire les choses par nous-mêmes. Voilà, voilà. Et en agissant de cette manière-là, en n'étant pas autonome, eh bien, il y a certains pasteurs qui commencent à gonfler les épaules, à se prendre une grosse tête. Puis il n'y a pas que des pasteurs, il y a des frères et sœurs dans l'Église également. Les chevilles enflent. Oui, le frère untel, je m'en occupe. Oui, je vais lui donner une parole. Oui, il va m'écouter. Oui, il va faire comme ci, il va faire comme ça. Mais t'es qui, toi, pour faire ça, là ? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Nous sommes une occasion de chute pour des responsables spirituels. Si après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, nous restons des bébés spirituels. Vous donnez sur votre vie du pouvoir aux autres. J'aimerais vous dire que le seul pouvoir que vous devez donner, c'est au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit être une dominante de pouvoir sur votre vie. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire votre vie. C'est le Saint-Esprit qui doit inspirer votre vie. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger votre vie, pas des hommes et des femmes de l'Église. C'est le Saint-Esprit prioritairement qui doit diriger votre vie. Personne d'autre. Si vous donnez accès à d'autres personnes, vous en devenez responsable alors. Et vous en subissez les conséquences. Et notamment des conséquences de dépendance. Et d'autres conséquences. Lorsque les conseils ne sont pas avérés. Lorsque les conseils ne correspondent pas. Vous en subirez et vous en subissez pour certains déjà les conséquences. Le seul conseil que je peux te dire, mon frère, ma sœur, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de là. Deviens autonome avec Jésus-Christ. Ton Père
c'est Christ. Ton conseiller, c'est le Saint-Esprit. Et tu verras, ça change la vie. Les 120 disciples, ils ont cherché, ils ont pris du temps. Jésus leur a dit, attendez-moi à Jérusalem jusqu'à ce que... Ceux qui sont partis avant n'ont pas vu la gloire de Dieu se manifester. Mais les 120 qui ont attendu, ça n'a pas été « je demande, je reçois ». Ça a été « je demande, il n'y a rien qui se passe ». Un jour, deux jours, trois jours. Alors certains ont dit trois jours, c'est un chiffre de Dieu, c'est pas mal. Il nous a dit le jour, trois, c'est le temple, il va être détruit, il va être reconstruit. Trois jours, bah, peut-être qu'au bout de trois jours, il va se passer quelque chose. Quatre jours, toujours rien. C'est quoi cette histoire? Et Jésus ne leur a pas donné de délai, il leur a dit « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Consolateur. » Qu'est-ce qu'ils ont fait les 120? Ils se sont soumis, ils ont obéi, comme vous aujourd'hui. Vous avez l'habitude de vous soumettre à Dieu, hein? Alléluia. D'obéir, même si vous ne comprenez pas. Alléluia quand même. Ils ont attendu. Ça venait pas. Mais les jours se sont dispensés. Et vous, vous savez l'histoire, puisque nous l'avons lu. À un moment donné, c'est acte 2. Dans le ciel, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et ces langues ont commencé à descendre sur chacun d'entre eux. Ils ont tous été saisis d'une telle manière que les 120 ont commencé à parler dans une autre langue. Alléluia. On appelle ça le baptême dans le Saint-Esprit. La Pentecôte était née. Une nouvelle dimension spirituelle prenait place. Le monde allait être embrasé. Et à cause de cette action du Saint-Esprit, le bouleversement total au niveau de l'humanité. 11 personnes. Puisqu'il y en a un qui a été zigouillé. Puis 120. Puis lorsque Jésus va réapparaître quelque temps plus tard, il va apparaître à plus de 500 personnes à la fois, ces quelques dizaines de personnes vont bouleverser l'humanité pour qu'en 2022, on parle encore de Jésus-Christ. Oh Jésus, c'est extraordinaire. Aucun projet humain n'aurait pu égaler ce que toi tu as accompli. Cherche, tu demandes, tu cherches et puis tu frappes. Pas les autres, hein. Parce que des fois, il y a des mauvaises habitudes. Il y en a, ils ont le ministère de la baguette, simplement. Vous connaissez le ministère de la baguette, hein? Ils sont là, ils sont toujours en train de vouloir taper sur quelqu'un. Tape déjà sur ta tête à toi pour mieux faire comprendre peut-être les choses. Quand il dit frapper, ce n'est pas la même chose. Tu vois? C'est aller plus en profondeur dans le domaine spirituel. C'est une prière persistante. Quelle heure il est déjà? Ah oui, il faut que je m'arrête. C'est une prière persistante lorsque... la réponse tarde, voyez, c'est la parabole de Jésus qu'on a dans Luc 15, vous vous souvenez, je ne vais pas la développer, mais cet homme qui a un ami qui vient le réveiller en pleine nuit, vous aimez être réveillé en pleine nuit, hein? Hier, il y a des gens qui ont tapé à la porte, c'était presque 10 heures du soir, et je dis, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, on vend du muguet. 10 heures du soir. Mais mange-le, ton muguet, fais quelque chose, mais viens pas déranger les gens à 10 heures du soir. Enfin, c'est incroyable, cette histoire. C'est fou, hein? Et pas des enfants, hein? Un enfant, sa maman, une voiture, des gens. J'ai dit, mais c'est quoi le truc, là? Ou alors peut-être ils viennent faire du repérage, peut-être, dans le quartier, on sait pas, mais bon, bref. Donc là, on est dans la même situation, c'était pas pour du muguet. Le gars, il dit, j'ai un ami qui arrive, j'ai rien à manger à la maison, il me faudrait du pain. Et vous connaissez cette histoire, il demande de la nourriture et c'est une illustration vraiment intéressante du niveau de prière frappé. Frapper, c'est le niveau, un des niveaux le plus profond du combat spirituel. Pourquoi? Parce que quand il est question de frapper, cela veut dire qu'il y a une opposition. On ne frappe pas quand il n'y a pas d'opposition. Mais quand il y a une opposition, on est obligé de frapper. Et dans le domaine spirituel, c'est cette même notion. Pourquoi? Parce que l'ennemi se met à ce moment-là directement en opposition. Nous ne le voyons pas. C'est transparent. Mais c'est bien réel. Et l'exemple de ce niveau se voit par exemple dans l'histoire de Daniel. Vous connaissez cette histoire-là? Vous avez lu déjà, n'est-ce pas? Vous savez où Daniel, la situation pour le peuple est particulièrement critique et aussi pour eux. Donc du coup, il va engager non simplement un temps de prière, mais aussi un temps de jeûne. Pendant 3 semaines.
Il va se priver de nourriture, il va se priver pendant 3 semaines parce qu'il a demandé, il n'a pas reçu. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il a dit, ah, là peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de coincer. Alors il s'est mis tout simplement à frapper. Pourquoi ? Parce que sa détermination était nécessaire. Et parfois, Dieu a besoin de voir notre détermination. Et c'est là où souvent, très peu de chrétiens entrent dans cette dimension-là. Frapper, mais pourquoi frapper ? On a prié comme cela, c'est suffisant, pasteur, maintenant. Non, il y a des fois où on a besoin de cette révélation de la part de Dieu qui nous dit, mon frère, frappe davantage, là, maintenant. Mon ami, frappe davantage. Et Daniel, par sa détermination, il a montré que finalement, il a frappé encore davantage et il a pris du temps. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, comment dirais-je, de montrer la corrélation qu'il y a entre Daniel qui frappe par cette détermination et la prière. Et puis que 3 semaines plus tard, il y a l'ange qui lui vient qui dit, tu sais, en fait, dès le premier jour où tu as commencé à me parler, je t'ai entendu. Tu sais, moi j'aurais dit, bah, tu aurais pu me prévenir, ça m'aurait évité de jeûner pendant 21 jours. J'aurais prié simplement une journée, tu me dis que tu m'entends, je m'assois, je me repose, tranquillou. Et j'attends que tu te débrouilles dans le ciel. Parce que l'ange, c'est ce qu'il va lui dire. Il lui dit, voilà, je t'ai entendu dès la première fois. Sauf que voilà, il y a eu un combat dans le ciel. L'ennemi s'est opposé à moi. Alors c'est vrai que c'est difficile pour nous de comprendre cette corrélation qu'il y a entre ces 21 jours de prière et puis qu'est-ce que ça a vraiment produit, parce que l'ange était déjà en train de combattre en fait. Mais quelque part, cela nous parle d'association. On est des soldats de Jésus-Christ ou pas ? On est dans le royaume de Dieu ou pas ? Nous combattons avec les anges, alléluia ! Nous n'avons pas les mêmes fonctions, nous n'avons pas les mêmes orientations et nous n'avons pas les mêmes directions. Eux, il y a des choses spécifiques qui leur sont données aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a d'autres choses spécifiques quand on sera dans le royaume pour l'éternité avec un corps incorruptible. D'autres choses vont se révéler à nous. Mais à ce jour, il y a cette corrélation qui se met en place entre ce qui se passe dans le ciel et nous. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Peut-être que s'il y avait un ange qui pouvait venir maintenant, il viendrait te voir, il te dirait, tu sais, dès le premier jour, je t'ai déjà entendu. Mais continue à frapper parce qu'il y a un combat dans le ciel. Il y a quelqu'un, il sait que c'est la bonne chose que tu demandes. C'est vraiment la bonne volonté de Dieu, mais il y a quelqu'un qui s'oppose dans le ciel. Et c'est pour ça que pour l'instant, sur terre, tu as l'impression que tu ne vois rien. Il n'y a rien qui s'accomplit, il n'y a rien qui se fait. Mais en réalité, continue de t'associer avec le royaume des cieux. Continue d'être en accord avec le royaume des cieux. Et tu vas voir, à un moment donné, le bras de Dieu va se mouvoir et la réponse va surgir. Alléluia. Bon, j'avais plein d'autres trucs à vous dire encore, mais on verra ça une prochaine fois. Est-ce que je peux réveiller vos consciences ce matin et vous dire, mes frères et sœurs, ne restez pas dans la fatalité. Ne restez pas dans « on va voir ». On va attendre. Ne restez pas là où vous êtes. Réglez vos vies. Rapprochez-vous de Jésus. Laissez le Seigneur vous toucher. Est-ce qu'on peut juste avoir un peu de guitare, un peu juste de musique pour terminer ce moment et avoir un temps de prière, s'il vous plaît ? Oui, piano, guitare, peu importe. Juste un moment acoustique pour avoir un temps de lien spirituel. Tout simplement, que chacun d'entre nous puissions prendre conscience des temps et des moments que nous sommes en train de vivre là. Mon frère, ma sœur, je t'en conjure au nom de Jésus. Sois réconcilié avec Dieu. Comme tu l'as entendu ce matin, ne viens pas ici comme un religieux. Ne viens pas ici comme par habitude. Ici ou ailleurs, peu importe, si tu veux aller dans d'autres églises, parce qu'aujourd'hui c'est la grande mode d'aller dans toutes sortes d'églises, on va là, on va ici, on va là. Chacun fait ce qu'il veut, moi je ne suis pas Dieu. Mais pour moi ce qui m'importe, c'est que chacun vous soyez réconcilié avec Dieu. Sors de tes histoires là, de critique, de médisance, de toujours être avec des gens qui sont en désaccord, de ceci, de cela, etc. Un jour Dieu va te juger de ça. Il y a un moment donné, il faut que tu tires un trait sur tout ça. Tant que tu ne tires pas un trait sur tout ça,
il n'y aura pas beaucoup d'évolution dans ta vie. Tant que tu ne tireras pas un trait sur tout ça, tu vivras simplement sur tes réserves spirituelles, mais tu n'auras pas d'acuité de la voix de l'esprit. Parce que l'esprit ne peut pas s'associer avec de la critique. L'esprit ne s'associe pas avec de la médisance. L'Esprit Saint ne s'associe pas avec de la rancœur, de l'amertume. L'esprit ne s'associe pas avec ces gens-là. Il y a un moment donné où il faut que tu prennes conscience de tout cela. Et il faut que tu prennes conscience de là où ça t'amène, toutes ces choses. L'esprit ne s'associe pas avec le péché. L'esprit ne s'associe pas avec le mensonge. L'esprit ne s'associe pas avec la tromperie que tu as dans ta vie professionnelle. L'esprit ne s'associe pas lorsque tu mens aux gens qui sont à côté de toi. L'esprit ne s'associe pas quand tu triches avec tes voisins. L'esprit ne s'associe pas quand tu mens dans ton travail. Tu ne peux pas dire que tu es quelqu'un qui représente un chrétien qui est rempli de l'esprit. Parce que l'esprit ne s'associe pas avec ça. Tu te leurres toi-même. Tu te trompes toi-même. Et un jour devant le Seigneur, ça risque d'être très douloureux à entendre. Parce que ça ne sera pas un misérable pasteur qui t'en parle. Mais c'est Jésus lui-même qui te dira, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu m'as fait souffrir à ce point-là ? Pourquoi n'as-tu pas écouté ma voix ? Pourquoi n'es-tu pas revenu pleinement à moi ? Je te le rappelle, nous avons dit dimanche dernier que Jésus n'est pas venu apporter la paix. Il est venu apporter la division entre ceux qui veulent suivre Jésus et ceux qui s'en détournent pour toutes sortes de raisons. Et nous sommes dans cette période de temps où la division existe, même dans des familles, même dans des foyers, même dans un couple. Et mon frère, ma sœur, c'est à toi de te déterminer. Soit tu marches avec Christ, soit tu marches avec le diable. Mais tu ne peux pas être au milieu. Il n'y a pas de neutre. C'est soit avec Jésus, soit sans Jésus. Alors j'aimerais vraiment inviter quelqu'un ce matin à revenir vraiment à Jésus et à retrouver une autonomie de prière, à retrouver la puissance de la prière, à retrouver tout simplement une vraie relation avec Dieu. Je t'invite vraiment ce matin à retrouver cette authenticité avec lui, afin que ta vie change de tout au tout et que tu sois profondément renouvelé et régénéré, parce que le Seigneur va alors à nouveau révéler ses pensées dans ton cœur. Et tu vas commencer à prier pour des choses nouvelles, tu vas commencer à intercéder pour des choses nouvelles, tu vas commencer à voir Dieu créer dans ta vie personnelle, dans ton cœur, dans ta relation avec lui, des choses nouvelles. Et parce que Dieu va le commencer avec toi, avec ton cœur, il va le développer au niveau de ton couple, ça va commencer à couler sur ta famille, et tous les gens qui seront autour de toi vont être tout simplement percutés, influencés par l'huile sainte qui va à nouveau descendre sur ta vie. Tu dis que tu as de l'huile, mais Dieu te dit ce matin, ton huile est corrompue, ton huile a été souillée par les mouches. Regarde à l'intérieur, il y a tellement de taches, il y a des œufs. Et elle commence même à avoir une mauvaise odeur. Le Seigneur te dit, je ne te juge pas ce matin, je te dis tout simplement que tu as besoin de vider tout le reste de cette huile, afin que ton vase devienne à nouveau un vase vide, afin que je le remplisse à nouveau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu te fait la promesse. Si tu vides ton vase de ton huile souillée et infectée, Dieu te dit alors, je vais déverser en toi une huile sainte, une huile pure, une huile qui va faire de toi un homme, une femme, nouveau, nouvelle, transformée, régénérée,
renouvelé, te dit Jésus, à mon image. Oh Seigneur, manifeste-toi ce matin, touche nos cœurs. Si on fermait nos yeux quelques instants, rester simplement dans la prière, dans l'intimité. Mon frère, ma sœur, je t'invite là à prier le Seigneur. Si tu as envie là, alors que nos yeux sont fermés, qu'on est là dans la présence du Seigneur, si tu as envie là ce matin que il y a un bouchon qui s'ouvre, que toutes ces tuiles commencent à couler là, toutes ces tuiles impures, toutes ces tuiles d'hier, toutes ces tuiles du passé, puissent tout simplement s'évacuer de ta vie là maintenant. Je t'invite là à t'approcher de Jésus maintenant. Dis-lui, Seigneur, j'enlève le bouchon. J'enlève le bouchon, j'enlève la capsule là, j'ouvre la bouteille. Et je suis en train de vider le vase. Fais même le geste, prends ton vase, le vase de ta vie, vide là devant Jésus, vide le vase de ta vie. Vide-le. Oui, je vide toute mon huile impure là, tout ce qui est d'hier, tout ce qui est du passé. Je prends le vase de ma vie, je déverse ça devant toi. Parce que ça, c'est de l'huile rance, c'est de l'huile qui ne sert plus à grand-chose. Et maintenant, Seigneur, je dépose mon vase à tes pieds. Dépose le vase, si tu le veux. Dépose le vase aux pieds de Jésus, là, dépose-le. Là, mets-le juste devant, là, par terre, à ses pieds. Tu dis, Seigneur, maintenant, remplis mon vase de toi. Remplis le vase de ma vie de toi. Saint-Esprit, viens couler dans ce vase maintenant. Et non simplement je te demande de le remplir, mais je te demande de le faire déborder. Parce que ça, c'est ta promesse. Tu as dit que des fleuves d'eau vive déborderont de ceux qui sont remplis de toi. Alors, non simplement je te demande de me remplir, mais je te demande de faire déborder mon vase ce matin. Afin qu'il arrose ceux et celles qui sont autour de moi. Mon couple, mes enfants, toute ma famille, mes amis, et puis ma relation dans l'église, ici ou là. Oh oui, déverse, déverse. Gardons nos yeux fermés un instant. Si tu as besoin pour ce sujet-là, pour ce que je viens de dire là maintenant, si tu as besoin de la prière pour cela, parce que tu veux que ton vase se vide et qu'il soit rempli de cette huile sainte, là où tu es. Je t'invite tout simplement à lever ta main une fraction de seconde et je vais prier pour toi. Oui, 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 oui aussi, oui. Alléluia, oui, oui, vous rebaissez votre main. Si d'autres la lèvent, oui, je te vois également, Dieu te voit aussi. Oui, au fond également. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore, simplement, une seconde, tu lèves ta main. Oui, Seigneur te voit aussi, oui, oui, aussi, alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux, fais ton œuvre ce matin. Fais ton œuvre ce matin, Jésus. Alléluia. Nous ne voulons pas rester là où nous sommes. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous ne voulons pas utiliser cette huile rance, cette huile vieille. Mais nous voulons maintenant utiliser une huile fraîche. Quelque chose de nouveau qui descend du ciel. Et Seigneur, je te demande vraiment ta grâce là maintenant. Viens toucher ces amis ce matin. Amène-les, Seigneur, dans quelque chose de nouveau avec toi. Amène-les, Seigneur, dans ce qu'ils désirent le plus profond maintenant. Tu vois ceux et celles qui apportent à tes pieds le vase de leur vie et qui sont en train de te dire je vide, Seigneur, je vide tout ce qui m'appartient, je vide mon moi devant toi, ma personnalité, mon caractère, mon huile vieille, mon huile rance, mon huile impure, mon huile infectée par le péché, mon huile infectée par les choses extérieures, mon huile infectée par la médisance et par toutes ces choses. Je déverse tout, Seigneur. Et non simplement je déverse, mais en plus je nettoie mon vase. Je nettoie, je lave mon vase pour maintenant le prendre et le déposer à tes pieds. Et je te dis, Seigneur, maintenant, mon vase, Seigneur, mon vase, remplis-le. Remplis à nouveau le vase de ma vie. Que ton esprit descende dans mon vie. Remplis-moi de cette huile fraîche, de cette huile pure. Remplis mes frères et sœurs ce matin. Remplis leur vase. Inonde-les de ta présence et viens faire d'eux des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles en Jésus-Christ.
Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ce que tu nous donnes aujourd'hui. Pose ta main sur tes enfants dans le nom de Christ. Et amène ton Église plus loin maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Du roi.